Alors, je voulais vous dire que nous sommes aujourd'hui vraiment consternés par la décision de la présidente de l'Assemblée nationale visant à empêcher le vote de notre proposition de loi sur la réforme des retraites. Cette décision constitue un très inquiétant précédent qui va affaiblir durablement le Parlement. Nous considérons que la présidente de l'Assemblée nationale n'a rien fait pour maintenir les droits du Parlement et au contraire, elle a failli à sa charge en faisant en sorte de durablement affaiblir l'Assemblée nationale et par conséquent porter un coup très grave à la séparation des pouvoirs en France qui est le fondement même de toute démocratie.